Bonjour à tous et à toutes, à nouveau ensemble pour un nouveau projet. Vous êtes prêts? Allez, on y va! La dernière fois, nous avions fait un tablier à partir d'un vieux jean. Et avec le reste, nous allons faire autre chose. Couper l'entrejambe. Nous allons garder le dos du pantalon coupé au niveau de la couture de côté. Mettre à plat et couper l'autre côté. Découdre cette partie à peu près sur 8 cm. Positionner cette partie et la mettre bien à plat. Épingler et reprendre les deux surpiqûres, donc nervure et surpiqûre. Couper l'excédent en laissant 1 cm. Plier endroit sur endroit, côté sur côté. Épingler, arrondir cet angle et joindre le milieu. Et couper. Vous allez obtenir cette forme. Mettre de côté dans une autre chute. Coupez plusieurs bandes de 10 cm de large, les relier toutes entre elles, endroit sur endroit, épingler et piquer, point d'arrêt au début, on pique, point d'arrêt à la fin. Passez un point du zigzag ou surfilez. La longueur de votre bande doit faire deux fois le tour de votre tablier. Une fois et deux fois. Faites un ourlet 0,5 sur 1 et piquez. Pliez la bande en deux. À partir de la pointe, venez couper de cette façon. Passez un fil de France sur cette partie. Positionnez le milieu sur le milieu et endroit sur endroit. Épingler, la pointe au départ, épingler, tirer sur le fil de France, répartir les bandes sur cette partie, donc tirer sur le fil, préparer vos fronces, bien répartir tout autour, épingler, avant de piquer, il faut que vos fronces soient bien réparties tout autour. Point d'arrêt au début, et à la fin. Coupez deux bandes 60 cm sur 8. Pliez et piquez. Remettre vos bandes sur l'endroit. Surpiquez tout autour. Positionnez. Épinglez. La même chose de l'autre côté. Piquez cette partie en renforçant la couture. Finalisez par un point de zigzag ou un surfil tout autour du tablier. Vous allez finir avec un coup de fer si besoin. Et voilà un tablier facile et rapide et en plus du 100% recyclage. Vous avez aimé ce tutoriel?
alors partagez-le. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout, abonnez-vous!